Ouais, shalom, shalom, le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. À cette date d'aujourd'hui, mercredi 13 juin 2018. Veuillez m'excuser, j'étais juste en train de me reposer et en profiter pour charger mes téléphones. Voilà. J'ai chargé là mes téléphones. Je pense que si vous me suivez, j'aimerais voir tout le monde en ligne. Ouais. J'étais en train de me reposer et rembourser la dette du monsieur, là. Je suis allé au salon, coiffer. Pendant que le gars me coiffait, le type voulait me bipper. Oh, je me suis coiffé chez un petit arabe. Il dit, monsieur, vous dormez? Il me dit, je ne dormis pas. Il dit, ne dormis pas. Ouais. Donc, comme le chemin m'a bipé chez mon coiffeur, mes téléphones étant chargés, je suis venu charger rapidement mes téléphones. J'ai chargé mes téléphones. Shalom, shalom. Le temps de rembourser le monsieur Crédit Sommeil, je suis réveillé en sursaut. Voilà. Je m'excuse pour ce petit retard. Shalom à vous. Voilà, partagez la vidéo. Je souhaite que vous soyez nombreux. Et nous allons commencer. Ouais, shalom à vous, shalom. Le temps que vous soyez encore nombreux. Pasteur.
Comme je disais, je suis allé juste me coiffer. Et pendant que le monsieur arabe me coiffait, c'est pas bon d'être fatigué. Hein? L'arabe me dit, mais vous, monsieur, vous dormez? Je dis, il ne dort pas. Moi, je me suis réveillé. Et le sommeil m'a bipé. Je suis rentré juste me reposer. Ouais, ça fait du bien se reposer. Tout le temps, on est dans les croisades, Donc, je viens à peine de me réveiller là. J'en profitais pour charger mon téléphone. Voilà. Regarde, quand vous avez un crédit de sommeil, remboursez ça. Parce que même si le coiffeur, il va vous buter. Il me demande, monsieur l'arabe. Parce que j'ai commencé un démarrage. De viol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 . En pleine coiffure. J'ai commencé. Malheureusement, il m'a interrompu très vite le concert. Il a dit, non, pas de concert ici. Il dit, monsieur, vous dormez? Je dis, ne dormez pas, monsieur. Les Arabes, vous les connaissez, eux pour eux, là, ça ne reste pas à l'étranger. Ouais, il faut se reposer assez, sinon, monsieur Sommeil va t'attraper chez le monsieur l'Arabe. Il faut toujours payer. C'est une dette. Hein. Lucas, j'ai vu Ludovic devait être avec nous en direct. Il est venu me rendre visite. Je lui ai dit, monsieur Lid, il dit, attends-moi 30 minutes. Oh, j'ai fait plus que 30 minutes. Ouais, le concert afro jazz. C'est un jazz, hein. Il y a afro, il y a jazz. Voilà, ça prouve que le maréchal même il est fatigué. En cas du vendredi, il est voilà. Voilà, donc, partagez la vidéo, commencez à partager. Vous partagez, vous avez une bénédiction. Celui qui partage reçoit immédiatement la grâce de Dieu. Et en même temps, invitez les gens à aimer la page. Vous comprenez? Pendant que vous partagez, vous avez aussi une bénédiction de Dieu sur vous. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Partagez la vidéo, partagez. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de l'Éternel soit sur vous. Vous êtes ici à l'école des mystères. Et nous sommes en train de parler de la puissance de la prière. Vous êtes à l'écart des mystères. Invitez les gens, partagez la vidéo. Nous allons nous dire la vérité ce soir. Comment terrasser les Goliath les plus redoutables, la sorcellerie. Ce soir, c'est chaud là. Partagez. Ouais, shalom à vous. Tu partages, tu as une grâce de Dieu sur ta vie. J'ai dit pour nous, au Moyen-Âge, les Blancs ont combattu la sorcellerie. Ils se sont mis dedans. Donc pour toi, une manière de combattre ce fléau, partage seulement la vidéo du prophète juste pour attaquer le système de la sorcellerie. Pour attaquer le système de la franc-maçonnerie. Pour attaquer le système et de sauver aussi des personnes victimes de la sorcellerie.
On me pose la question, quand est-ce que vous venez à l'île de Maurice? J'attends le pasteur et sa femme qui m'ont bien donné l'invitation. Voilà, on attend. Sinon, on a validé l'invitation, mais comme c'est pas pour nous Air France. Voilà, c'est pas pour moi Air France. J'attends qu'on me paye le billet d'avion. Et quand on me paye, on donne à ma délégation des billets d'avion. Ok. Comme ça, je viendrai. Maintenant, c'est comme ça. Si on doit venir vous délivrer, frère, je n'ai pas un budget de souveraineté. Si on doit aller vers vous, malheureusement, quand vous dites de cotiser, vous dites au prophète, vous pensez que le prophète, il fait business. Voilà, donc maintenant, là, si vous ne payez pas mon billet d'avion, vous ne payez pas ça. Pour arriver chez vous, je ne mettrai pas mes pieds. Vous ne payez pas le billet d'avion, vous ne payez pas les salles, vous n'organisez pas vos croisades, vous ne payez pas les chambres, tout ça, je ne mettrai pas mes pieds. Voilà, désormais, vous allez vous déplacer pour aller à Divo. Comme ça, vous allez comprendre que, voilà, c'est coûteux. Quand on vient vers vous, pour vous aider, hein, on vous demande seulement de contribuer. D'autres personnes ont la bouche pour insulter, d'autres ont la bouche pour mal parler aux gens. Vous ne savez pas que prendre un billet d'avion ici, aller à Divo, tout ça, le séjour, ça fait plus de 2000 euros. Voilà. Commencez à partager. Je salue tous ceux qui sont en ligne, tous les servantes et les serviteurs de Dieu, révoltés contre les œuvres de la sorcellerie, révoltés contre le mal cruel, révoltés contre les œuvres de la sorcellerie, révoltés contre les œuvres de la sorcellerie. Voilà, commencez à partager la vidéo. Voilà, shalom, shalom à vous. Partagez la vidéo. Voilà, on devait commencer. J'ai demandé à mon chargé de communication de communiquer là-dessus, de mettre 22h30, comme je disais. Je suis allé me coiffer. Je suis tombé chez un arabe. Comment mes coiffures ne sont pas difficiles. Et il a commencé à me coiffer. Et j'ai fait un démarrage du conseil jazz. Il dit, monsieur, vous dormez? J'ai dit, je ne dormis pas. Il dit, ah, je ne dormis pas. Moi, mais il a compris déjà. Parce que si j'ai dormi, mon oreille est en danger. L'arabe va couper mes cheveux. Et je passe au. C'est des sangs de canne, vers le sang. Donc j'ai compris que dans le TGV et chez le coiffeur, c'est pas pareil. Si j'ai dormi, mon oreille est partie. Le samouraï va enlever. Donc j'ai attrapé. Chez nous, on dit encore, j'ai attrapé mon cœur. Et je marchais. Je suis rentré. Je suis rentré tranquillement. Le gars a dit, viens payer la dette que tu as. Sommeil, crédit là. Viens payer ça. Le gars a dit, tu as raison. Je suis allé payer. Voilà, j'ai fait plus d'une heure. C'est fatigué dans mon corps. Mais on va payer ça doucement. Fatigue dans mon corps. Ouais, la fatigue. Soyez bénis, vous qui êtes en ligne maintenant. Un rendez-vous inédit, un rendez-vous solennel. Dieu va parler à chacun d'entre nous. Dieu va nous bénir au travers de l'enseignement. Nous sommes au rendez-vous d'un mystère. C'est-à-dire, ce qu'on cache ici, ce direct, on a l'occasion de vous révéler ça parce que c'est utile pour vous, votre croissance spirituelle, pour vous aider à aller très loin dans la chrétienté. C'est très important. Non, ne faites pas de vous
ne vous brigande pas, non. On vous amène à la conversion. Faites de vous des véritables chrétiens, des gens qui ont la crainte de Dieu et qui vivent aisément leur vie chrétienne. Voilà. Comme je disais hier, pour chanter, c'est tellement simple. D'autres, c'est-à-dire tu peux avoir une voix bizarre, comme Monsieur le Crapaud, une voix bizarre. Et après, tu peux avoir la voix de Rossignol, c'est-à-dire avoir une très belle voix. Une très belle voix. C'est tellement simple. Tu vas dans la nature, je répète encore, tu vas dans la nature, tu commences à crier. Aaah! Voilà. Et ça, il faut avoir le souffle aussi quand tu chantes. C'est pour cela que il faut courir, il faut avoir le souffle, c'est très important. Le souffle aussi joue beaucoup un grand rôle dans cette histoire de chanter le souffle. Voilà, il ne faut pas trop être soufflé, ce n'est pas bon. Voilà, il faut avoir le souffle. Et comment? Quand vous criez, dans la nature, vous criez, puis à un moment donné, votre voix, vous avez l'impression que votre voix se bloque. Ok, vous coupez, vous criez encore, jusqu'à ce que votre voix se coupe et que vous n'avez plus de voix. N'est-ce pas? Vous n'avez plus de voix, vous avez du mal à la gorge, très bien. Et vous allez voir que le lendemain, quand vous allez lever le matin, vous avez l'impression que personne ne vous entend, personne ne peut vous entendre. Ça veut dire que ça marchait. Corde vocale. Vous avez fait quelque chose dans la gorge. Donc, quand vous levez le matin, quand vous entendez, personne ne vous entend, vous prenez de l'eau chaude, mélangez un peu de miel, bien sûr, miel, et puis vous buvez ça, n'est-ce pas? Le soir, vous répétez avec beaucoup de courage. Et il faut persévérer. Vous partez encore, vous criez. Vous criez, puis pendant une semaine. C'est-à-dire, vous criez jusqu'à ce que la voix qui est bloquée là, jusqu'à ce que ça sorte, ça ressorte. Si la voix ressort, c'est fini. Vous avez une corde vocale. C'est-à-dire que la voix ne va plus disparaître. Peu importe ce que vous allez faire un concert, vous allez crier, ça ne va jamais disparaître. Moi, je mets des croisades en croisades, je mets des croisades. Jamais ma voix ne se perd. Voilà, j'ai toujours dit aux gens, les exercices, c'est important. Voilà, parce qu'il faut habituer sa voix aussi à gorge. Moi, je suis parti, je me suis exercé. Donc, vous pouvez devenir des véritables chanteurs. Intéressez-vous à la musique. Parce que la musique, c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est la continuité dans le ciel. La Bible dit que nous allons aller adorer Dieu dans le ciel. Voilà, donc, le prophète que je suis, comme je disais, je suis en même temps auteur-compositeur. Quand je dis auteur-compositeur, c'est confirmé. C'est confirmé, hein. Je suis déclaré au Burida. Je suis déclaré au Burida, le bureau de droit de d'auteur plutôt de la Côte d'Ivoire. J'ai 6 albums, n'est-ce pas? J'ai 6 albums. Je suis en même temps compositeur. J'aide les gens à composer leurs titres. Si vous voulez, donnez-moi une idée de la musique que vous voulez faire. Voilà, vous donnez la musique. Et je peux chercher la mélodie. Je peux même chercher les mélodies. Voilà, surtout, je suis beaucoup spécialisé. Même l'adoration, je peux même chercher la mélodie et tout ça. Et puis encore, si vous voulez, n'est-ce pas, donnez-moi une idée de ce que vous voulez comme chant, la composition. Vous faites les tests, je vous donne les mélodies. Il n'y a pas de forêt ici, papa. Ah, sinon les flics, si tu as crié, il n'y a pas de forêt. Non, mais le jour où tu partiras en Afrique, il y a l'occasion où la forêt se présente à toi et que tu as le temps de faire une semaine, alors va exercer. Faut crier, voilà, il faut crier, il faut, voilà, apprenez. Et ça, c'est pas aussi mauvais qu'il y ait une musique comme ça, comme la musique du prophète Crasso, voilà, qui passe. Il faut commencer à chanter, à commencer à interpréter les paroles, à commencer à vouloir interpréter
la mélodie et tout ça. Ce n'est pas mauvais de se tromper, mais ce qui est intéressant en matière de musique, il faut avoir l'oreille musicale. Voilà. Il faut avoir l'oreille musicale. C'est très, très, très important. Voilà. Donc, c'était pour ceux qui veulent aussi chanter. Gloire à Dieu. C'est un grand ministère. Comme je disais, je suis moi-même chante. Je suis moi-même chante et puis je suis auteur-compositeur. Voilà. J'ai créé un concept qu'on appelle Zouglou Gospel. Ça, c'est le Zouglou Gospel. C'est le Zouglou Gospel. Yon est la gamo, et la goy il est moins zé. Kofé kasso, la goy il est moins zé. La goy il est moins zé, la goy il est moins zé. Guillaume est la gamo, et la goy il est moins zé. Prophète Crasso, la goye est moisin, la goye est moisin. Ça dit, viens, toi là, Dieu te voit, viens, viens dans le Seigneur. Sinon, ce que tu fais là, Dieu te voit. Guillaume est la gomme, et la goye est moisin. Ça dit, tu penses que Dieu ne te voit pas, mais Dieu te voit. C'est ce que j'avais dit. Ouais, donc tu es là, tu penses que Dieu ne te voit pas. Oh, il te voit. Viens, abandonne ce que je suis en train de faire. Sinon, ce que tu fais là, il te voit. Donc, quand Dieu te voit, c'est pour dire, sur cette terre, dans ce monde, il n'y a pas plus puissant que l'Éternel, notre Dieu. J'ai toujours dit, la gozi, ça veut dire Dieu est grand, la gozi, c'est Dieu, ozi, ça veut dire grand. La gozi, aziliwaou. Elie la gosia ziliwao, la gosia ziliwao. Ma peu, yedodo ani luna gala gosio. Ma peu ale, yedodo aluna gala gosio. Wa elie la gosia ziliwao, la gosia ziliwao. Sia ziliwao, la gosia ziliwao. Et la gosia ziliwao, la gosia ziliwao. Mon la gosia ziliwao, la gosia ziliwao. La gosia ziliwao, la gosia ziliwao. Mon la gosia. J'ai aussi dit, mon Dieu est plus fort que les marabouts. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que les sorciers. Oh. Mon Dieu est plus fort que les sorciers. J'étais malade, je suis allé voir les marabouts. Ils m'ont dit que si Dieu le veut, ça va aller. Oh. C'est comme ça l'habitude de dire si Dieu le veut. Ils m'ont dit que, yeah, ils m'ont dit que ça va aller haut. Ils m'ont dit que si Dieu le veut, ça va aller haut. Deux mois passés, je n'ai pas été guéri. Yeah. C'est quand j'ai accepté Jésus, Jésus-Christ m'a délivré. Vous allez aller beau, aller chez les marabouts, ces agents du diable. Ils vont te dire si Dieu le veut. Mais attends, frère, pourquoi ne pas adorer le Seigneur? Pourquoi ne pas invoquer le nom du Seigneur? On dit, quiconque invoquera le nom du Sauveur, Seigneur sera sauvé. Pourquoi ne pas invoquer le nom de l'Éternel, ton Dieu? Si Dieu le veut. Mais oui, Dieu, il est la clé et la solution à tout problème. Pourquoi ne pas l'invoquer?
Vous comprenez? On dit quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque, pourvu que tu invoques le nom du Seigneur d'une manière sincère et tu verras la main de Dieu agir. Vous savez, les gens, ils sont dans les difficultés, ils ont la tête ailleurs, n'est-ce pas? Ils pensent que le secours viendra du voisin, le secours viendra de la voisine, de la famille, ou de cousins, de leur propre connaissance, d'un réseau quelconque, de trucs. Non, non. David dit, j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Non, notre secours vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Le ciel et la terre appartiennent à l'Éternel. Et c'est cela que, frère, quelle que soit la difficulté que tu traverses, quel que soit ce que tu es en train de vivre, tu dois comprendre une seule chose. Pour que cette adversité s'arrête, pour que les difficultés s'arrêtent, une seule chose que tu dois faire, c'est d'invoquer le nom du Seigneur. Voilà, parce qu'il y a invoqué le nom du Seigneur et à prier le nom du Seigneur. Et ça, je vais vous enseigner ça tout à l'heure. On invoque le Seigneur dans la détresse, il dit « Invoque-moi dans la détresse, je répondrai. » Ça veut dire quoi? Quand tu es dans la détresse, quand tu vois que rien ne va plus, tout est difficile, tu dis, tu cries « Seigneur, mon Dieu !» C'est ce qu'on appelle la détresse. « Aide-moi, 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 viens à mon secours. » Ça, c'est invoqué. « Voici, je suis ton serviteur, je suis ta fille. » Je suis ton fils, je me confie en toi, je veux que tu m'aides, j'ai vu des difficultés, aide-moi, viens me secourir, s'il te plaît. Ça, on dit, c'est invoquer Dieu. Il dit, invoque-moi dans ta détresse. Invoque-moi dans ta détresse. Ça dit, quand ça ne va plus, quand tu vois que tu es paniqué, on t'a fait quelque chose, tu ne sais plus où mettre la tête. Oui, tu es paniqué, tu ne sais même plus où mettre la tête, invoque-le. Invoque-le, dit, invoque-moi dans ta détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Voilà. Donc, il faut l'invoquer. Viens, Seigneur, viens, descends. Et quand l'invoquant, il faut te baser sur des paroles bibliques, des versets bibliques. Je t'invoque. Tu as dit, je t'invoque, éternel, mon Dieu, réponds-moi. Dieu Jéhovah Shamara, Dieu Jéhovah Nissi, regarde ce que je suis en train de vivre. C'est tellement difficile. Et là, tu as dit, même si je traverse les eaux, tu serais avec moi. Même quand je traverse le feu, oui. Mais Dieu, je t'invoque, aide-moi. Je ne veux pas. Regarde, c'est en train de m'écraser. La chose en veut m'écraser. Je t'invoque. Et tu verras le secours de Dieu. Tu verras le secours de Dieu. Oui. Il dit, invoque-moi. Quiconque invoquera le Seigneur. Quiconque invoquera le Seigneur. Les gens, ils sont dans la détresse. Au lieu de prier le Seigneur, ils voient quelque part d'autre. Vous savez, malheur soit celui qui se confie à l'homme. C'est vrai, on peut se confier à un père spirituel. On peut l'aider. C'est vrai, ça, je voulais souligner ça de passage. Seigneur, merci, bénis cette émission, bénis ta parole. Tout à l'heure, nous allons, n'est-ce pas, parler de beaucoup de choses. Bénis-nous, permets à ce peuple de comprendre et utilise ma personne, de bénir chacun d'entre nous. Amène-nous dans une grande dimension de compréhension de ta parole et des mystères. Vous voyez, donc, tu peux invoquer, c'est ça. Voilà, donc, en invoquant le nom du Seigneur, tu commences à voir, n'est-ce pas, le secours immédiat du Seigneur. Voilà, les gens, ils veulent d'abord se confier aux gens, il veut d'abord se confier aux gens. Voilà, donc que Dieu bénisse. Donc, nous allons aborder le sujet tout à l'heure, la puissance de la prière de la nuit. Pourquoi prier la nuit? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on prie la nuit? Quels sont les impacts, les résultats immédiats qu'on a compris la nuit? Et ça, je vais vous donner un enseignement, parce que je ne veux pas que vous soyez des chrétiens bizarres. Dis à quelqu'un près de toi, bizarre. Non, 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 vous devez devenir, la Bible dit, l'Éternel ordonne que tu sois puissant. L'Éternel ordonne que tu sois puissant. Dieu aimerait que tu sois puissant. Dieu aimerait que tu rentres dans une autre dimension. Dieu aimerait que tu rentres dans une dimension pas possible. N'est-ce pas? C'est ce que nous allons voir. Dieu aimerait que tu rentres dans une autre dimension.
Voilà, donc pour entrer dans une autre dimension, il faut être puissant. Voilà, il faut rentrer dans une autre dimension. Et la Bible dit, ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Nous avons la puissance de Dieu en nous. Tu as la puissance de Dieu en toi. Ce qui est en toi, c'est la puissance du Saint-Esprit. Oui, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est en toi, bien-aimé. Devant une situation, Dieu te donnera la victoire. Voilà, donc pour aborder le sujet, shalom à tous ceux qui sont présents actuellement. J'ai eu la visite de Ludovic. Voilà, j'ai eu la visite de Ludovic, shalom. C'est le sommeil, j'étais fatigué. Je devais même faire le direct avec moi. Voilà, je tenais à dire merci pour ceux qui le soutiennent. Voilà, donc que la grâce de Dieu demeure sur vous. Merci. J'ai toujours dit, il faut combattre. Nous sommes des véritables combattants. Nous sommes mis ensemble aujourd'hui pour éclairer le monde sur un phénomène qu'on appelle sorcellerie. Souvent, le diable a une autre manière de communiquer là-dessus. Faire croire aux gens que ça n'existe pas. Nous avons donné déjà leur droit de réponse. Pour dire, donnons-nous quelque chose dont vous savez qu'il n'existe pas, qu'il y a un nom. Si vous dites que la sorcellerie n'existe pas, mais pourquoi ça a un nom? Pourquoi ça a un nom? Si on a pris la peine de trouver ce nom en français, c'est pas parce que les Français sont malades. Non. Mais c'est parce que ça existe qu'on a trouvé un nom. On ne peut pas nommer quelque chose qui n'existe pas. Ce n'est pas possible. Ok. On n'est plus à ce stade aujourd'hui. On sait que tout ce qui est la sorcellerie existe. Très bien. Maintenant, il faut se mettre dans le combat. C'est-à-dire, les gens, quand ils ont su qu'il y avait la sorcellerie, ils ont fait une campagne, n'est-ce pas? Ils ont sensibilisé les gens contre ce fléau pour dire que ça existe. Notre seul moyen de éradiquer la sorcellerie, c'est de combattre, de les attraper, de les traquer, de les brûler. Nous ne ferons pas comme eux, les brûler au bûcher. Non. Ah non. Voilà, nous avons compris, et beaucoup civilisés, nous avons compris que la sorcellerie, celui même qui pratique la sorcellerie est un être humain et l'esprit qui est en lui, ce qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie. Donc nous autres, nous le délivrons de cet esprit de la sorcellerie et nous l'aidons, n'est-ce pas, à rencontrer Dieu. Ok? Mais en même temps, il y a aussi des victimes. C'est pour cela qu'il faut communiquer. Il faut faire connaître cette page à tout le monde. Il faut faire connaître cette page. Vous devez inviter des gens autour de vous à s'abonner à cette page. Prophète Crasso Ministère. Ministère. Abonné. Maintenant, vous-même, vous avez des vidéos concrètes, des puissances de Dieu au travers des vidéos du prophète Crasso. Il y a des choses que Dieu fait dans des vidéos. Vous partagez la vidéo, amenez les gens, sensibilisez-les. Même si les gens sont encore sorciers, les gens, dites à ces personnes qu'elles peuvent aujourd'hui délivrer de la sorcellerie. Parce qu'il y a même des sorciers qui pensent qu'ils ne peuvent pas être délivrés de la sorcellerie. Oui, parce qu'ils ont tissé un pacte avec Satan, un pacte de non-retour. Mais Dieu fait grâce. Pour celui qui veut se repentir, Dieu aussi fait grâce. C'est pour cela que vous devez, n'est-ce pas, voilà, donc vous commencez déjà, vous allez commencer déjà, voilà, vous commencez déjà à partager la vidéo, partagez-la, et comme ça vous commencez à sensibiliser des gens autour de vous, et ça. Et merci déjà pour ceux qui sont dans les différents comités. Le comité de la Suisse, merci, merci, Sylvie. Madame Seine, voilà. Et puis, ceux d'Italie, Donny Champion à la tête, qui est aussi, n'est-ce pas, le coordinateur des plateformes, aussi administrateur, coordinateur des plateformes de, n'est-ce pas, des pages, n'est-ce pas, il est le coordinateur. Et on a aussi le Canada,
aussi le Canada, il y a une plateforme, les enfants du prophète Joël Crasso. C'est une manière de, n'est-ce pas, veiller, n'est-ce pas, de vous encadrer, n'est-ce pas, vous suivre pour que dans le monde entier, on puisse savoir quels sont ceux vraiment qui sont dans ce combat avec nous, afin de pouvoir vous aider dans tout ce qui est en train de se passer. Voilà, donc je pense que je me suis en train de faire connaître, comprendre. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, vous écrivez, n'est-ce pas? Vous vous abonnez dans les différentes pages Facebook, même la Belgique, si là, la tête de la Belgique, on a aussi la France et tout ça. Et comme je disais hier, j'annonçais cette nouvelle qu'on aura maintenant, un programme, une église sur Paris, à partir du mois de juillet. Commencez déjà à appeler, on doit une réunion pour commencer à réfléchir sur ça, démarrer une église sur Paris, baptiser, commencer à baptiser les gens, parce que je sens le besoin de le faire maintenant. Je sens maintenant le besoin de le faire pour encadrer tous mes enfants spirituels dans le monde. Voilà, surtout à partir de la France, voilà, nous allons prier et baptiser les gens. Voilà, donc que Dieu bénisse. On a commencé à dire aux gens de soutenir le ministère. Ce n'est pas un péché de soutenir un ministère. Beaucoup ont commencé à payer leur dîme. Je tenais à dire merci à toutes ces personnes qui ont commencé. Bon, à les encourager, s'ils n'entendent mal, c'est un devoir. C'est une obligation pour chaque chrétien. Tu ne le fais pas, tu n'es pas béni. Financièrement, Dieu ne va pas te bénir. Voilà, les gens rock sont déjà à jour. Beaucoup d'entre eux, beaucoup sont déjà à jour. La plupart des comités de la Suisse se sont mis à jour par rapport à ça. Donc, n'est-ce pas? Voilà, donc je tenais à dire aux gens, vous encourager à soutenir le ministère. Le combat que nous menons aussi pour la protection de l'enfant, pour permettre aux enfants africains, à partir de la Côte d'Ivoire, et ça va s'étendre un peu dans le monde, dans l'Afrique, aller à l'école, voilà, à les former pour que ces personnes aillent à l'école. On a besoin de soutenir la Fondation Prophète Joël Crasso. On essaie de donner mon RIB à chacun d'entre vous, et on attend que vous contribuiez pour pouvoir aider. Voilà, aider les enfants qui ont faim, aider les enfants qui ont besoin de nous. Voilà, une fois dans la vie, il faut aider les gens. Une fois dans la vie, il faut quand même aider à faire avancer l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est vraiment très important. Vous comprenez? Il faut commencer. Les gens, ils sont égoïstes, n'est-ce pas? Et puis, égoïstes. Malheureusement aussi, il y a des ingrats. Dieu les fait du bien. Ils ne sont pas en retour de faire. Eux, ils veulent toujours recevoir de Dieu. Ils veulent toujours recevoir de Dieu. Ils ne veulent jamais faire quelque chose. Eux seulement qui doivent recevoir, mais Dieu non. Voilà, eux doivent toujours recevoir de quelque chose de Dieu, mais Dieu non. Et ça, c'est très dangereux. Franchement, c'est très dangereux. Un ministère comme le ministère du prophète Crasso, c'est un grand ministère. Il y a des gens même qui ne font pas de délivrance. Vous partez chez eux, ils ne font pas de délivrance. Mais c'est eux toujours qui vous demandent. Je n'ai pas dit, j'ai fait des saints métiers pour vous dire de donner. Mais j'ai besoin d'être soutenu. J'ai besoin financièrement d'être soutenu par vous. Voilà, par vous, parce que vous bénéficiez des grâces de Dieu sur ma vie et dans les enseignements que je donne. Le fait que vous bénéficiez des enseignements de Dieu au travers de ce ministère, par YouTube, par via Facebook, ça veut dire que vous devez impérativement soutenir le ministère. Vous devez soutenir le ministère parce qu'il y a des gens qui regardent seulement des vidéos qui sont guéris. Il y a des gens qui regardent seulement vidéos et puis ça les guérit psychologiquement, ça les délivre. Parce qu'ils voient leur vie dedans. Et non seulement ça, dans les vidéos, nous donnons, n'est-ce pas, les stratégies de pouvoir faire la délivrance, c'est-à-dire l'autodélivrance. Voilà, donc, vous devez soutenir. Si vous ne soutenez pas ce ministère, on fait comment pour payer les factures d'Internet? Comment payer Internet? Parce que je suis en train de parler, c'est une facture, c'est l'Internet. Vous comprenez? Il faut soutenir ce ministère. Même des pays, vous voyez là, ils ont des subventions, des pays là, ils ont des budgets, les pays. Pourquoi au niveau du prophète, c'est-à-dire au niveau du ministère, il y a des gens, ils viennent, ils sont là, qui ont bien des moyens, mais qui ont peur, qui ne veulent même pas investir et qui veulent toujours bénéficier. Toujours, c'est eux qu'on doit aider, c'est eux, mais qui ne se prennent pas la peine d'aider le ministère. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, je suis moi-même dans mes réserves aussi. Je vais regarder. Frère, tu n'es pas prêt. Il y a des gens qui ont fini de prier.
Il y a une soeur, nous on dit, le prophète, il faut que tu soutiennes le ministère du prophète. Il faut que tu paies la dîme chez le prophète. Elle a dit, elle va aller réfléchir. Si le Seigneur va voir, si le Seigneur lui met à cœur pour payer la dîme chez le prophète. Ça n'avait pas duré. Elle m'a envoyé un message pour dire, elle a attaqué, papa, il faut prier pour moi. Ah, c'est attaque là. Moi, je dois prier pour toi. C'est ça? Mais dîme là, tu dois interroger le Seigneur. Le Seigneur doit te parler où tu vas payer ta dîme. Mais quand tu es attaqué, pourquoi tu ne dis pas au Seigneur, dis-moi quel est l'homme de Dieu qui doit me délivrer? Toi, tu sais immédiatement que c'est le prophète qui doit te délivrer de l'esprit de la sorcellerie. Comment vous-même, vous êtes méchant et ingrat? C'est-à-dire vous-même là, pourquoi vous pensez que Dieu va vouloir te parler? À Dieu, tu mens parce que tu ne veux pas soutenir le ministère. Et tant que tu ne soutiendras pas le ministère, les attaques vont continuer. Les attaques continueront. Il y a des gens simplement qui ont simplement investi dans le ministère. Je me souviens d'un homme, je ne dis pas son nom, qui a commencé, je l'ai aidé. Je suis allé chez lui à la maison, délivrer sa maison, enlever des canaries mystiques, délivrer sa maison et ses enfants et tout ça. Le monsieur m'a offert une voiture. N'est-ce pas? Et quand il a commencé à me soutenir, il dit, je vais te soutenir parce que tu viens de m'arracher de la mort. Ce que tu as fait, parce que son fils veut le manger. Il veut le manger. Grave. Ah, c'était terrible. Il sentait la mort comme ça. Le monsieur, il sentait la mort. Et quand il m'a rencontré, franchement, je vois que le monsieur, il voulait même pas. Quand je parle avec lui, il ne veut pas me lâcher. N'est-ce pas? Il ne veut même pas me lâcher. Il est là, il sent que... Je lui ai dit, je vais t'aider, laisse tranquille. Le don, là, ça est là, hein? Je vais t'aider. Maintenant que j'ai pris ton sujet en main, personne, aucun sorcier ne pourra te manger. N'est-ce pas? On a commencé. Je suis rentré chez lui à la maison. J'ai stoppé la sorcellerie. J'ai dit frein aux œuvres de la sorcellerie. Le Seigneur m'a utilisé à ramasser ce qu'il devait ramasser comme gnani dans sa maison. Je l'ai amené à la conversion. J'ai mis en genoux à prier pour lui. Et il a décidé de soutenir. Depuis qu'il a, soutenu, il m'a donné une voiture. Il a eu la promotion. Il partait de promotion en promotion au niveau de son service. Parce que c'est ça. Vous voulez avoir de la promotion. Dieu va te bénir par rapport à quoi? Je vous ai dit, la grâce, c'est un don immérité. Dieu fait grâce à qui il veut. Mais la bénédiction, ça se mérite. Voilà. Bénédiction, là, pour être béni, là, il faut poser un acte. Tant que tu n'as pas posé un acte, Dieu ne peut pas te bénir. C'est pour ça que les gens pensent qu'ils vont ici, ils vont ça là, parce que c'est vrai, ils veulent délivrer, ils sont délivrés, mais ils ne sont pas bénis. Parce qu'ils ne posent pas un acte qui touche Dieu pour que Dieu les bénisse. Et les gens pensent que c'est quand on a beaucoup qu'on doit donner. Ah non. Ah non. Abraham avait quel enfant? Il avait un seul fils. On dit Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Voilà, Dieu se base sur ce principe-là. Donner qu'on n'a même rien et de lui faire confiance. Qu'on n'a rien et qu'on donne pour son œuvre et nous bénit. Et nous bénit. Et quand Dieu voit en toi quelqu'un qui a l'habitude qui donne pour son œuvre, Dieu continue de te bénir parce qu'il cherche les gens pour avancer son œuvre. Quand tu donnes, Dieu est obligé de te bénir. Parce que Dieu s'est dit, si ce monsieur-là, n'est-ce pas, marqué qu'il n'a rien, marqué qu'il a un petit salaire, mais marqué ça, il pense à moi, dans ce qu'il reçoit, je suis toujours présent dans sa tête, il se dit dans sa tête qu'il doit toujours me donner. Vous calculez sans penser à Dieu. Avec Dieu, on ne calcule pas. Si vous voulez calculer, vous n'allez jamais avoir la grâce de Dieu sur votre vie. Avec Dieu, il ne faut jamais calculer. Vous comprenez? Voilà, c'est un peu ça. Vous comprenez? Voilà, donc, il faut s'investir dans l'œuvre de Dieu. Si vous êtes investi dans, vous investissez dans l'œuvre de Dieu, vous verrez la main de Dieu. Vous verrez la main de Dieu vous bénir. Vous verrez la visitation de la puissance de Dieu. Il y a des choses qui ne vont plus arriver à votre maison. Il y a des choses qui ne vont plus arriver à votre entreprise. Il y a des choses que le Seigneur ne permettra pas que ça vous arrive.
Il y a les malheurs qui s'éloigneront de vous. Oui. Parce que quand vous investissez dans l'œuvre de Dieu, Dieu est obligé de combattre l'esprit de la pauvreté. Et Dieu est obligé de bénir ta main. Et Dieu est obligé de bénir ta maison. C'est pour cela qu'il faut s'investir corps et âme. Vous avez un ministère qui vous nourrit spirituellement parlant. Les gens disent, ah non, on s'est baladé un peu partout, on n'a pas eu de délivrance. Quand on a rencontré ce ministère, le Seigneur nous a délivré. Mais oui, frère. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut s'investir financièrement dans ce ministère. Sinon, tu seras toujours en train de tourner en rond. Le ministère là, tu décides pour dire, je veux, Seigneur, moi maintenant là, je décide de soutenir le ministère du prophète Crasso. Je vais soutenir son ministère et son ONG, la fondation, pour aider les enfants en difficulté. Moi, je décide. Le jour où tu as dit, moi, je décide, ce n'est pas seulement dans la bouche, mais dans les actes que tu auras posés. Et chaque mois, même chaque semaine, même chaque jour, parce qu'il arrive, les gens, c'est chaque jour, il y a 2 ou 5 semaines, et tu donnes. Or, la Bible dit qu'il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Quand tu vas commencer à le faire, Dieu va commencer à te bénir. Il va se souvenir de tes semences. Il va te souvenir de ce que tu es en train de faire. Ça, c'est très important. Vous comprenez? Donc, on invite tout le monde à soutenir le ministère. C'est un impératif, on doit le faire. De soutenir ce ministère et de soutenir le combat qu'on est en train de faire. Pour toi, c'est pour toi. Une manière de lutter contre le fléau qui est la sorcellerie. Pour que nous puissions éradiquer la sorcellerie. Même les partis politiques que vous voyez là, on les soutient. Les militants, ceux qui militent dans ce parti-là, ceux qui militent dans ce parti-là, toujours en train de soutenir financièrement leur parti politique. C'est comme ça, ça y est. Ça a été toujours comme ça. Ils sont dans les partis politiques, n'est-ce pas? Mais comme ils aiment le parti politique, un parti qui ne va pas les envoyer au ciel, bien sûr. Mais ils se donnent même à la mosquée. Les gens, ils donnent. L'argent ne vient pas du ciel, c'est vous. C'est votre contribution. Tu peux m'envoyer une nation, tu feras avancer l'œuvre de Dieu. Je me souviens qu'au pays en Côte d'Ivoire, la présidente, la femme du président, de mon président Alassane Ouattara, Dominique Ouattara, elle est multimilliardaire. Elle a créé une ONG, Children of Africa. Elle a construit des cliniques, mais ce n'est pas à fonds propres, hein? Non. Hein? Elle a organisé des galas. Elle organise des galas. Et puis les gens viennent donner pour aider son ONG. Madame Bédier Servi, ils organisent des galas pour aider son ONG. Madame Henri, qu'on appelle Félix Boboigny, elle c'est une Daya nationale. Une Daya. Toutes les femmes là, leur mari est président de la République. Mais leur ONG là, elles organisent des galas. Elles font des recherches de fonds. 20 000, comment 200 millions, 400 millions pour aider, bien que leur mari soit président de la République et qu'ils ont un budget de souveraineté, elles ne puissent pas dans le budget de souveraineté, mais elles organisent des galas pour construire des hôpitaux, pour construire beaucoup de choses. Mais moi, il m'est arrivé un moment à faire, je n'ai jamais demandé à un institut international de m'aider à construire un orphelinat. Je l'ai fait à fond propre. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de même payer le salaire des gens. Mais écoutez, si aujourd'hui je demande de m'aider, celui qui ne le fait pas, il commet un péché. Parce que la Bible dit, nous devons aider les veuves et les orphelins. Et toi, tu ne le fais pas. Or, ton père spirituel, qui est le prophète Crasso, il a un orphelinat où toi-même, tu dois déjà t'investir. Il soutient les veuves. Je suis celui-là qui vit que pour les autres. Donc, si vous ne vous investissez pas dans ce ministère, que vous ne vous impliquez pas en vous investissant dans ce ministère,
Parce que quand on trouve que quelque chose est bon, on protège la chose. Quand on trouve que quelque chose est bon, on fait avancer cette chose. Mais on ne reste pas en marge. On ne laisse pas la chose dans les difficultés. On entretient les choses. Si tu penses que ta femme que tu as mariée, elle est belle, elle est bien, il faut l'entretenir. Si vous sentez que le ministère est bon, pourquoi vous vous limitez? Et puis c'est dans mon ministère, là, le ministère du prophète Rachel, là, vous voyez que c'est là-bas où on ne doit pas donner l'argent. Ailleurs, on doit donner, mais chez le prophète Rachel, là, vous voyez sans gratuité. Mais non. Un homme déjà qui a un orphelinat, c'est palpable. Il a déjà un orphelinat. Il a un orphelinat, il s'occupe des enfants orphelins, des enfants en difficulté, en train de s'investir pour faire avancer, amener à scolariser les enfants. Non seulement ça, homme de Dieu, je suis, mais en même temps, je me soucie du bien-être des enfants. Je ne dis pas les gens qui crient sur les toits, il y a l'argent, je pose des actes. Allez, n'est-ce pas, scolariser les enfants. Je me bats pour l'éducation. Il faut que les enfants partent à l'école. Il faut qu'un enfant mange matin, midi et soir, trois repas. Je le fais. Les enfants qui n'avaient pas assez de nourriture. Pourquoi vous ne voulez pas soutenir le ministère? Or, au travers de ce ministère, il y a aussi le social. Vous bénéficiez aussi des délivrances, des grâces. En écoutant les vidéos, les enseignements, vous êtes délivrés de beaucoup de choses. Soutenez le ministère. Aidez le ministère à avancer. Un ministère qui n'est pas soutenu n'ira pas loin. C'est-à-dire, si tu ne soutiens pas le ministère, tu deviens comme le sorcier du ministère qui ne veut pas voir le ministère aller loin. Les gens parlaient, non, comme on a maintenant un compte au niveau de la France. Voilà. Vous voyez, Donny Champion pour le RIB. Vous avez le secrétariat. Vous appelez, on vous donnera le RIB pour aller donner votre contribution, faire un virement sur, pour aider le ministère, soutenir le ministère. Ce n'est pas un péché. Il y a des gens qui ont des chaînes de télé, ils ne font qu'insulter les gens. Mais pour ça, les gens, ils donnent l'argent là-bas. Hein. Les chaînes de télé où on vilipende des gens, où on insulte les gens, où vous n'êtes même pas délivré, mais là-bas, vous êtes prêts à aller investir. C'est là-bas où vous donnez votre argent, c'est là-bas où vous investissez. Or, voici un ministère qui est concret. Ça dit délivrance à bébé, direct. Délivrance, guérison, restauration. Non seulement ça, ce monsieur que je suis, prophète Rasso, nourrit les enfants en difficulté. Vous avez vu ça où? Pourquoi vous ne vous investissez pas? Ça dit que quand vous venez dans le ministère et qu'à un moment donné, vous dites que vous êtes fils spirituel du prophète Rasso et que vous ne vous investissez pas dans ce ministère, frère. Ça veut dire que tu as un problème. Tu ne veux pas faire le prophète Rachel avancer. Ce serait que maintenant là, ça sera difficile. Voilà, écoutez, excusez-moi. Voilà, donc celui qui ne va pas vouloir s'investir dans cette œuvre va avoir des problèmes. Celui qui ne va pas vouloir s'investir dans cette œuvre aura des problèmes. Parce que maintenant là, on veut savoir réellement qu'est-ce qu'ils sont dans le ministère. Tout ça qu'il faut... Il faut s'investir, il faut commencer à contribuer, il faut commencer à s'investir dans cette œuvre, il faut commencer, n'est-ce pas, à donner pour l'œuvre de Dieu. Il faut commencer à donner pour l'œuvre de Dieu, et ça c'est très important. Il faut commencer à donner, il faut commencer à s'investir dans cette œuvre de Dieu. Votre contribution, on a besoin de cette contribution pour faire avancer, n'est-ce pas, cette œuvre du Seigneur. On a vraiment besoin de ça. On a vraiment besoin de ça. Vous donnez... Pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, vous devez vous investir dans cette œuvre. Donnez pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Voilà. Nous sommes en train de vous sensibiliser là-dessus. Pendant des années, ce ministère vous a nourri. Pendant des années, le ministère s'est investi corps et âme. Pendant des années, vous avez bénéficié de la grâce de Dieu au travers de ce ministère. Mais en même temps, vous avez besoin, n'est-ce pas, de recevoir la grâce de Dieu au travers de ce ministère. Un prophète qui quitte, un homme de Dieu qui quitte la ville et qui va jusqu'au village, qui soutient les veuves, qui soutient les orphelins, qui se bat pour que les enfants partent à l'école, qui a un orphelinat. Il n'a pas besoin de parler. Je n'ai pas besoin de parler. C'est vous qui devez soutenir le ministère.
Celui qui va seulement demander, ah, faut prier pour moi, faut me délivrer. Et puis le ministère, l'histoire de faire avancer le ministère, ça vous intéresse pas. Ça arrive moi-même là. Comment le ministère doit s'asseoir en Côte d'Ivoire, hein? En Côte d'Ivoire. Comment le ministère doit s'asseoir en Côte d'Ivoire? Comment le ministère doit s'asseoir en France? Ça vous intéresse pas. Il faut que je prie seulement pour vous. C'est vous pour vous. Les sorciers me mangent. Les sorciers me mangent. Ils veulent me préparer. Ils veulent me faire une bonne sauce. Ils veulent me manger. Et puis toi, tu ne penses même pas comment le prophète Crasso, actuellement en train de chercher un siège, finaliser le siège au niveau de Lyon, et n'est-ce pas, le ministère, l'église au niveau de Paris, faire soi les choses. Et ça, ça ne vous intéresse pas. C'est compris seulement pour vous. Voilà. Vous allez voir. J'ai toujours dit aux gens, sorcier là, ce n'est pas camarade de quelqu'un. On a prié pour vous, Dieu vous a aidé. Mais le jour, ils vont vous biper. Ils vont vous biper. Ne cherchez pas ma route. Quoi? Il y a un frère camerounais, Gerdé, qui vit en Italie, je ne dis pas son nom. En 2015, il courait derrière moi dans toute l'Europe. Sa femme l'a quitté pour une sorcellerie, il a chassé sa femme. Tout ça, je l'ai aidé, j'ai pris le temps de le délivrer et d'aider tous ses enfants. Jusqu'à ce que sa femme est revenue dans son foyer. C'est mes heures aujourd'hui là. Je m'en vais en Italie, il s'en fout. Il est ailleurs maintenant. Aujourd'hui, il est délivré. Il s'en fout. Moi-même, il dit, il y a beaucoup de gens comme ça, même à Paris, beaucoup d'artistes qui étaient sur le point de mourir. On a délivré aujourd'hui. Donc aujourd'hui là, celui qui n'a pas soutenu le ministère, frère, ne peux pas me voir dans ton problème. Tu vas prendre. Payer ton billet, aller à Divo, tu vas te mettre tout ça. Ceux qui ont commencé à soutenir le ministère, là, on a mis les noms. On a commencé, c'est ça. Il y a des chaînes de télévision qui vous demandent de produire, pour insulter les gens. Ah, voici un ministère qui est concret ici. Il y en a combien qui le font en Afrique? Allez s'investir dans l'Afrique, dans l'œuvre de Dieu en Afrique. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Voilà, amen, amen. Nous allons toucher la prière, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour l'enseignement sur la prière. La prière, merci de nous enseigner, merci de nous bénir. Prenez votre silo, prenez vos billes, que Dieu vous bénisse. Je parlais tout à l'heure de l'importance de la prière. J'ai dit, hier j'ai parlé de si vous ne priez pas, le jour, vous baissez les bras. Nous avons vu hier dans Exode, n'est-ce pas, à partir du verset 17, chapitre 17, du verset 8 à 15, je pense bien. Le Exode 17, le verset 8 à 15, on a vu comment Amalek a barré le chemin à Moïse. Pendant que Moïse, n'est-ce pas, partait avec le peuple d'Israël à Canaan. Canaan, lieu qu'on appelle le lieu de la promesse, il partait à Canaan. Et sur le chemin de Canaan, il y a eu souci. Ils ont barré le chemin. Mais Moïse ne s'est pas laissé faire. Moïse et le peuple, Moïse et Aaron et Hur, ils sont montés dans la présence de Dieu en train de prier. La Bible dit, pendant qu'eux prièrent, le peuple d'Israël avait, n'est-ce pas, la victoire sur Amalek. Et pendant que les mains de Moïse s'affaiblissaient, c'est Amalek qui avait la victoire sur, n'est-ce pas, Moïse. Le peuple d'Israël. C'est pour dire, le jour où tu vas t'affaiblir, le jour où tu vas t'affaiblir spirituellement parlant, le jour où tu ne donneras plus d'importance à la prière, bonjour au problème. Le jour où tu ne vas plus donner de l'importance à la prière, où tu vas mettre la prière au second plan, où tu vas dire, oh non, et ça après, non, je n'ai plus le temps pour prier. C'est là que tu verras que la prière, tu vas avoir bonjour les difficultés. C'est là que les difficultés vont commencer, n'est-ce pas, à pleuvoir dans ta vie. Sauf cela pour dire, la prière, elle est vitale, elle est importante pour chaque chrétien. Elle est importante pour chaque chrétien. Si tu ne pries pas, frère, tu auras des problèmes. Si tu ne pries pas, la sorcellerie va s'installer chez toi. Si tu ne pries pas, tu perdras des combats. Parce que les victoires se remportent dans la prière. Les victoires se remportent dans la prière. C'est quand on prie qu'on a la victoire. C'est quand on ne prie plus qu'on a la défaite. Et ça, c'est prouvé. Moïse, qui avait une destinée de conduire Israël, excusez,
on appelle là, de conduire Israël dans sa destinée. Conduire Israël dans sa destinée. Conduire Israël dans sa destinée. Il va avoir un souci. Il va avoir un souci. Il va avoir un souci. Du coup, il y a problème. Du coup, il y a problème. Or, frère, il a compris que il ne peut remporter cette victoire-là, ce combat-là, pas dans la chair, mais c'est spirituel. Donc, il se met au front, il a commencé à entrer dans la présence de Dieu pour prier. Ton secours ne viendra pas par un voisin, ni par la connaissance, ni par tes relations que tu as, tes relations intellectuelles ou tes relations que tu as. Non, tes grandes victoires se remporteront lorsque toi, frère, et ma soeur, mon frère, lorsque tu te donneras à la prière. Donne-toi à la prière. C'est le jour où tu vas commencer à prier que tu recevras la grâce de Dieu chez toi. C'est le jour où tu vas commencer à prier que la main de Dieu va commencer à te visiter. Si tu veux voir la visitation du Saint-Esprit dans ta famille et dans ta maison, si tu veux voir la main de Dieu te protéger, il faut que tu pries. Voilà. Je vous ai dit, dans les 7 étapes, la prière. Voilà. C'est pour dire, tu dois maintenant donner plus d'importance à la prière. Non, ne donne plus le sommeil. C'est vrai qu'on a des crédits de sommeil, ça nous prend, mais il faut qu'on donne l'importance. Voilà, je vous ai dit, il faut prier matin. Voilà, c'est important de prier matin. Je vous donne la prière matinale. Je vous ai dit que c'est important de prier. Et le soir aussi de prier. Maintenant, nous allons parler de l'importance des prières de nuit. Vous savez, les grandes victoires se rapportent les nuits. Les grandes victoires se rapportent les nuits. Quand vous voyez une rébellion, les grandes rébellions, les gens attaquent dans la nuit. C'est dans la nuit que les gens attaquent. Les gens n'attaquent pas dans la journée. Remarquez très bien. Je suis en train d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Les grandes rébellions, combien ils ont attaqué, c'est dans la nuit. Ceux qui attaquent généralement dans la journée, ils perdent le combat. Je ne parle pas de physiquement, je ne parle pas de non, attaque la nuit. Non, les rébellions physiques où les nations, les rebelles entrent dans un pays pour attaquer, c'est dans la nuit qu'ils attaquent. Moi, mon pays a vécu la guerre, donc je suis mieux placé pour vous parler de ça. Je suis mieux placé pour vous parler. C'est dans la nuit que les grands combats se livrent. C'est dans la nuit qu'on a les grandes victoires. Dans la nuit. Voilà. Dans la nuit que l'ennemi attaque. C'est dans la nuit que l'homme qui est le plus fort se lève pour attaquer. Pour vous dire, la nuit est trop stratégique. Cette nuit-là est trop stratégique. Parce que c'est la nuit qui engendre le jour. Mais pour que le jour se mette en mouvement, c'est que la nuit, dans la nuit, tu as déjà rencontré des victoires. Que tu as déjà remporté des victoires dans la nuit. Les victoires que tu auras remportées dans la nuit, n'est-ce pas, tu rentreras en possession de ça dans la journée. C'est pour cela que des prières, des grandes prières de combat, généralement se font dans la nuit. Se font dans la nuit. Jésus est un homme qui priait la nuit. Jésus est un homme qui priait beaucoup la nuit. Oui, parce qu'il voyait toujours Satan descendre pour attaquer son ministère. Il priait chaque fois dans la nuit. Écoutez très bien, comme je disais, quand vous allez voir une rébellion dans tel pays, très bien, vous avez vu, cette nuit-là, ils ont attaqué, la rébellion a attaqué. Cette nuit-là, ils ont attaqué. Parce que dans la nuit est trop stratégique. C'est pour cela que pour ceux qui veulent des attaques terribles, vous voyez que l'ennemi se ligue contre vous. Vous savez qu'autour de vous, chaque fois, c'est des attaques. Le diable se lie contre vous. Le diable veut vous nuire. Il veut bloquer vos mariages. Il veut bloquer ton projet de mariage. Il veut bloquer ton projet, n'est-ce pas, de bénédiction. Et chaque fois, tu es toujours bloqué. Chaque fois, tu es toujours bloqué. Et tu as l'impression que tout est bloqué autour de toi. Bien qu'on a prophétisé sur toi. Bien qu'on a dit des choses sur toi, frère, lève-toi. La Bible dit que lève-toi car ta lumière arrive. Lève-toi. Et il n'est pas dit d'aller chanter. Mets-toi dans un système de prière. Nous allons voir un homme de Dieu dans la Bible, de qui l'on parle toujours. Et son nom, aujourd'hui, est aux lèvres de tout le monde. Et quand on dit le nom, ce nom-là, c'est tellement puissant, mais tout est venu de ce nom. Comment son nom est venu? Nous parle Israël.
Israël, c'était d'abord Jacob. Jacob qui veut dire vaurien, trompeur. Pour que ce nom de Jacob soit transformé en Israël, il y a une histoire. Pour que ton identité spirituelle change, toi qui es en train d'entendre, parce que le diable voit en toi quelqu'un qui l'a bloqué maritimement parlant, tu ne dois pas te marier. Frère, regarde ta vie. Regarde l'âge que tu as. Goumet peut te tuer. La goumétologie. Tu es là, il n'y a pas quelqu'un pour parler avec toi, pour dire je t'aime, chérie. Je t'aime. Bisous, bonne nuit, ma chérie. Ça, de temps en temps, ça chasse les cauchemars. Regarde ta vie. Migraine peut te tuer. Ton mariage est bloqué. Tu es convaincu que l'homme, là, c'est l'homme de ta vie. Tu es convaincu que cette femme, c'est la femme de ma vie. Mais il y a un mais. Mes frères, toutefois qu'il y a une bénédiction, il y a toujours opposition. Le diable s'oppose toujours. On a vu Amalek s'opposer à Israël. On a vu Amalek s'opposer à Israël. Mais la Bible dit que jusqu'au coucher du soleil, il ne s'est pas laissé faire. La Bible dit que les mains de Moïse furent levées jusqu'au coucher du soleil. Les gens, ils s'affaiblissent très vite. Ils commencent, quand ils ne voient pas un résultat immédiat, ils lâchent. Oh non! Oh non! Il faut persévérer dans la prière. Pour que Dieu change les situations de ta vie, pour que Dieu change l'histoire de ta vie, pour que Dieu change ton identité, frère, ton identité spirituelle et te force à rentrer dans une dimension de puissance, de miracle, c'est que tu as remporté une victoire. Vous savez, là, quand on parle de victoire, c'est qu'il y a eu combat. C'est lié. Les deux choses sont liées. Oh, il y a la victoire. Non. La victoire veut dire tu as combattu. Victoire veut dire, frère, ma soeur, ma fille, mon fils, ça veut dire tu as combattu. Oui, il y a une fois une victoire sans combat. Oui, il y a une fois quelqu'un qui a combattu, qui a eu la victoire sans combat. Ça n'existe pas. Tu veux avoir la victoire dans ce combat que tu mènes pour posséder ton homme, pour avoir ta femme, pour avoir ton mariage, pour avoir ton foyer, pour avoir ton travail, pour avoir, pour entrer dans ta destinée. Tu es convaincu que celui-là, c'est mon homme, c'est ma femme, c'est mon boulot, c'est ici, c'est ce travail-là que je dois avoir. C'est ça, c'est ça. Vous voulez penser que quoi? Ça va venir facilement comme ça. Il y a une histoire. Il doit avoir une histoire. Donc écoutez, c'est l'histoire là qui fait le charme de cette victoire. C'est l'histoire là qui fait le charme de la bénédiction. Parce que sans qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Quand on parle de victoire, c'est qu'on a combattu. Si on parle de victoire, c'est qu'on a combattu. Les gens veulent crier victoire sans combat. Quand on dit victoire, c'est qu'il y a eu combat. Et le combat peut être rude. Le combat peut être rude. Pas facile d'ailleurs, mais c'est un combat. Et ce qui nous réjouit pour nous les croyants, qui croyons à la puissance de Jésus-Christ, nous combattons dans la victoire. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est ça qui lève-toi dans la prière et ne dors plus. Tu as vu qu'il y a un sorcier. Peut-être qu'on l'appelle Baza Brozo. Peut-être qu'on l'appelle Bapé. Peut-être qu'on l'appelle Guy Vitor. Peu importe le nom du sorcier, le nom du sorcier, de ton sorcier. Tu le vois constamment dans les rêves. Ou bien souvent, vous savez, souvent quand vous êtes dans la maison, vous êtes en train de dormir, vous sentez une présence, mi-sommeil, mi-veille, c'est-à-dire que tu ne dors pas, c'est comme si tu ne dormais pas, tu ne sommeais pas, et tu as l'impression qu'il y a une lourdeur, quelqu'un veut t'appuyer, c'est-à-dire que la présence d'un sorcier est rentré dans ta maison. Je te dis ça aujourd'hui, c'est un esprit qui est rentré. Et si c'est constant dans ta vie, ça veut dire que constamment dans ta vie, il y a un esprit de la sorcellerie qui te poursuit et contrôle ta vie. Ou par exemple, quand vous marchez dans la rue, quelque part, quand on dit votre nom, vous êtes dans plein Paris, vous êtes dans New York, vous êtes quelque part, et puis on dit, tu as l'impression que quelqu'un t'appelle par ton nom. Fais attention. Et tu as l'impression que non, ce n'est même pas le nom que tu connais, c'est le nom du village. Tu peux dire Zadi Bapé.
Toi-même, tu es convaincu que ce Zadig Bappel, non, on ne peut pas te dire, c'est, non, c'est, ça veut dire quelque part, j'ai une présence. Ou pendant que tu dors, tu te vois toujours nu. Il y a des gens dans leurs rêves, ils se voient toujours malheureux. Ils sont toujours en haillons. C'est eux qui sont malheureux. Ils sont en Europe, mais leur âme est captive quelque part, emprisonnée, embrigandée. Ton âme est embrigandée quelque part. Toujours ton âme, quand tu dors, tu es esclave dans le spirituel. Quand tu rêves, tu es malheureux dans le rêve. Le rêve, c'est l'expression de la vérité, de ce que tu vis réellement. Parce que c'est ça le rêve, c'est ça. C'est une vision de ce que tu es réellement sur le plan spirituel. C'est ce que tu es réellement sur le plan spirituel. Tu vas dormir, quelqu'un fait l'amour avec toi. Ça veut dire, spirituellement parlant, tu es marié à un esprit. Une femme vient jouer avec toi, ça veut dire que spirituellement te parle. Mais vous allez me dire, j'ai fait comment? Mais lève-toi dans la prière. Non, j'ai prié. Non, il faut doubler d'efforts. Cette fois-ci, regardez, nous allons toucher l'histoire. Frère, il faut pour que ton nom change, parce qu'il y a une identité. L'identité spirituelle, c'est ce qui te fait. C'est à partir de ton identité. On dit, donne-moi ton identité. Je m'appelle Crasso Djaro Joël Shalom. Moi, mon nom, c'est Crasso. Il y a Djaro. Djaro, là, ça veut dire chance. Dieu merci. Il y a Shalom. Et il y a Joël. Donc, c'est à partir de ton identité, on peut savoir, dire, ah lui, voici ça, c'est ton nom. Mais c'est vrai, ça c'est physique. Mais spirituellement parlant, tu as une autre identité. Que souvent tu vois en rêve, quand tu dors, tu as l'impression que dans le rêve que tu es en train de faire, dans ce rêve-là, tu es malheureux. Ça veut dire spirituellement parlant, en effet, tu es malheureux. Donc ça veut dire tout est malheur. C'est ça. Oui, dans le rêve, c'est toi qui es esclave, c'est toi qui es nu, c'est toi qui es nu, à moitié nu, c'est toi qui es bizarre en rêve, tu es un haillon en rêve, tu vois, tu es assis là, des difficultés, tu es même, tu es malheureux, tu vois des rêves bizarres, tu n'es jamais heureux dans ton rêve, jamais tu es heureux dans ton rêve, le comble c'est que c'est les moutons qui te poursuivent, les bœufs te poursuivent, les serpents qui veulent te mordre. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce que tu vois en rêve, là, c'est ton identité spirituelle. C'est ça. Parce que c'est le spirituel qui fait notre physique. C'est le spirituel qui fait notre physique. Donc, ce qui se révèle, tu te lèves le matin, tu es mouillé. La femme est mouillée, ton caleçon est mouillé. C'est comme si tu avais éjaculé dans ton caleçon. Un homme, il a éjaculé dans son caleçon. Tellement qu'il a il a fait l'amour en rêve. Il se rêve. Tout est la vie sur lui. Ça veut dire, frère, il y a un esprit de sorcellerie qui est venu faire l'amour avec toi. L'échec seulement. Souvent, tu te vois dans l'eau. Souvent, tu te vois dans des maisons bizarres. Et il pleut, et puis tu es là, en train de t'abriter. Tu es malheureux. Oh, tu vis en France. Oh, tu es quelque part bien. Et c'est les gens. Et tu te vois parmi des gens bizarres, moches, bizarres. Ça veut dire, frère, l'heure est grave. L'heure est grave. Ton spirituel est brigandé, étant en train d'être brigandé par les esprits. C'est le spirituel. C'est l'histoire de Jacob. L'histoire de Jacob. Jacob, il est né le fils d'Isaac. Isaac, le fils de la promesse. Isaac veut dire sourire. Si vous ne savez pas aujourd'hui, la signification d'Isaac veut dire sourire. Or, Abraham, vous voyez, Abraham avait, n'est-ce pas, reçu de la part de Dieu une promesse et que dans sa vieillesse, n'est-ce pas, Dieu allait lui donner un enfant. C'est vrai, par moment, il allait sortir avec Agar, mais non, ce n'était pas avec Agar qu'il devait avoir l'enfant. Non, ce n'était pas Agar. La fille, non, c'était, n'est-ce pas, c'était pas avec Agar. Dieu avait promis l'enfant. C'était avec Sarah qui devait avoir l'enfant. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, la chose se passe, Dieu lui dit, tu auras un enfant, n'est-ce pas? Voilà. Tu auras un enfant. Et Dieu a réalisé cette promesse en donnant Isaac pour apporter le sourire. Sauf cela qu'il faut que Dieu t'apporte un jour le sourire là où tu es. Là où tu es dans ton foyer, il faut que tu sois heureuse. Là où tu es, il faut que Dieu t'apporte le sourire.
Il faut croire. Il faut que le sourire, que le Seigneur t'accorde le sourire. Voilà, la paix dans ton foyer, ça c'est très important. La paix dans ta vie. Et que le Seigneur t'accorde le sourire là où tu es. Ça c'est très important. N'est-ce pas? Donc, Dieu lui dit, je vais te donner un enfant. Dieu lui dit, je vais te donner un enfant. Dans ta vieillesse, là, tu aurais un enfant. Il a eu l'enfant. Donc, Abraham est un homme riche. Et Isaac, son fils, a été deux fois plus riche qu'Abraham. Gloire à Dieu. Maintenant, Abraham, Isaac a eu pour femme Rebecca. Et Rebecca était une femme vraiment de conviction. Une femme de révélation. Le jour qu'elle est rentrée dans la maison de ce monsieur qui pleurait, qui était souri, qu'elle a perdu sa maman Sarah, il a commencé à péter les plombs, il a pleuré. Qu'elle a rencontré cette femme, il a été béni. N'est-ce pas? Et elle va lui donner deux enfants. Elle va lui donner deux enfants. C'est des jumeaux, Ésaü et Jacob. Donc, Jacob était le plus petit et Ésaü était le plus grand. D'accord? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire biblique, je vais en parler pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Mais Jacob était plus intelligent, plus spirituel que Ésaü. Pourquoi? Parce que Jacob, du coup, il a compris que quand tu es grand frère, tu as la bénédiction. Tu as le droit de recevoir ce qu'on appelle la bénédiction prophétique. Le droit de naître a droit à l'héritage de la bénédiction prophétique. Mais le frère, lui, il ne considérait pas les choses physiques et spirituelles. Il voyait plus dans le physique. Le jour où il a eu faim, le frère vient lui dire, « Frère, on est jumeaux, hein, mais je veux que tu me donnes ton droit de naître. Là. Je veux être grand frère. » Il dit, « Mais ça fait quoi ?» Ça veut dire qu'il ne connaissait pas l'importance. L'importance d'être grand frère. Lui, il ne savait pas. Parce que si le petit frère vient te dire, à partir d'aujourd'hui, tu veux que je te donne. Parce que le poulet que le petit a préparé, là, frère, c'est un kegenou grave. Avec aromagie. Tomate. Un peu de oignon. Ouais, j'ai toujours dit aux gens. Peut-être que vous n'avez pas encore vécu les Mauritaniens. Je ne sais pas des Les Mauritaniens, là. Nous, on a vécu, tu vois, nous, on a les parents peuls, tout ça, là. Les Mauritaniens, quand un Mauritanien prépare, tous les chats du quartier viennent. Tous les chiens du quartier viennent. Tu dis, Mohamed, il y a quoi? Parce que le Mauritanien, il m'a mis oignon. Oignon, il a mis dedans, là. Tous les quartiers, odeur va prendre tout le quartier. Mauritanien. Et il va mettre viande. La viande, là, hein, la viande. C'est tout. Il va vous attaquer nariniquement parlant. C'est-à-dire que tes narines sont attaquées. Les odeurs qui attaquent tes narines sont attaquées. Et l'odeur prend tes narines. Jusqu'à quand tu dis Mohamed, ah, Mohamed. Toi, tu as oublié de dire, Mohamed, ça va? Comment tu vas? Bonjour, assalamu alaikum, alaikum salam. Sako du plat de Mohamed qui t'a narriquement attaqué. Mohamed t'a attaqué narriquement. Et tu dis, salam alaikum, Mohamed, ça va, Mohamed, ça va, salam alaikum, ah, Mohamed, c'est bon. Mohamed, ça va, Mohamed. Parce que narriquement, tu as été attaqué. Par la cuisine de Mohamed. C'est les garçons qui préparent. Oh, et ils mettent ça dans un plateau. Ah, nous, on a fait ça aussi. Hein? Mohamed, ça va, Mohamed, ça va, Mohamed, ça va. Parce que tu es attaqué. Tu viens de l'école. Et Mohamed t'attaque avec le plat. Et puis les plats, ça cuit vite. C'est 30 minutes, c'est pas beaucoup. Ça ne dure même pas. Ça n'est pas une heure. On va te presser. Tu vas manger ça. Ça t'attaque le nez, les narines. Donc, du coup, tu te dis, ah, Mohamed, il faut aller dire bonjour. Mohamed, ça va, Mohamed.
C'est les gens, ils aiment faire camaraderie à tout le monde. Et donc tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a préparé? Les chats sont devant sa porte. Tous les chiens errants là sont là. Même les chiens sont attaqués dans les narines des chiens sont attaquées. Les narines des chats sont attaquées. Donc toi-même là, de temps dans notre cousin, oh, il n'y a rien. Rien. Ces petits morceaux de viande, ces odeurs de oignon là. Souvent même, il dit, viens manger, camarade, viens manger. Quand tu touches, ah, non, on a mangé ça, hein, je te dis, où dit la vérité. Ce n'est pas un péché. Il faut reconnaître ce que tu as fait au moins un jour dans la vie, Dieu va te faire la grâce. Ah, nous, on est un peu mortanier, on est un peu peu. Donc, c'est notre camarade. Il dit, viens manger. Quand il met dans ta bouche, tu dis n'importe quoi. Tu te retournes, tu te dis, sauce, tu critiques de la vie, elle est mieux que lui. Là. C'est à cause de ça, là. Mes narines, moi-même, il faut faire ça, tu fatigues mes narines. Là. C'est quoi ça? C'est à cause de ça, là, mes narines sont fatiguées. Il te fatigue, t'as net ta chemise, des devoirs, tu fais trier. Les narines sont attaquées. Donc, c'est comme ça, les narines de monsieur Esaü étaient attaquées. Les narines d'Esaü étaient attaquées par la cuisine qu'il faisait Jacob. Les Mauritaniens, ne jouez pas avec eux, ils vont vous attaquer les narines. Donc, le frère, il n'a même pas réfléchi. Il voulait manger. Il dit, ok, tu veux manger. C'est ça. Tu veux manger. Ce n'est pas un restaurant. Ce n'est pas une question de non, tante Suzanne qui prépare placali et polo et puis on met djumblé dedans. Non. Si tu veux manger mon repas là, donne-moi ton droit d'aînesse. Ce que tu es comme grand frère là. Donne-moi ça. Ouais, il dit, mais ça ne me dit rien. Ça veut dire qu'il ne donnait pas d'importance à son droit d'aînesse. Il était là, mais il ne donnait pas d'importance. Si vous ne donnez pas d'importance à la bénédiction, quelqu'un d'autre va prendre ça. C'est ce qu'il dit aux gens. Tu ne sais pas prendre soin de ton fiancé, de ta fiancée. Quelqu'un d'autre viendra prendre. Tu ne sais pas prendre soin d'une bénédiction. Quelqu'un d'autre viendra récupérer. Quelqu'un d'autre. C'est ça que quand tu as quelque chose, il faut savoir bien gérer ça, spirituellement parlant. Il faut posséder la chose sur le plan spirituel. Sinon, quelqu'un d'autre viendra récupérer. Lui, il s'est dit. Donc, le gars, il lui donne. Il dit, moi, à partir d'aujourd'hui, tu es grand frère. Donc, ça veut dire, quand il a dit ça, sur le plan spirituel, les données ont changé. Les données ont changé. Donc, depuis là, dans le ciel, Dieu le considérait désormais comme le grand frère et l'autre comme le petit frère. Donc, si vous négligez les choses spirituelles, ça va aller de l'autre côté. Ceux qui savent, là, ils vont bien profiter de ça. Vous comprenez? Maintenant, il s'agissait maintenant de donner la bénédiction prophétique. Comme la maman du petit, elle aimait bien son fils. Il savait bien aussi préparer. Il ne sait pas, mais Jacob, il est terrible. Il est terrible, ce petit. Il est grave en matière de cuisine. Un cordon bleu. Elle dit, mais cette fois-ci, ton frère, ton papa va bénir ton frère. Va. Fais la cuisine. Et puis voici comment tu vas faire. Pour que tu bénéficies. Mais comme spirituellement parlant, il avait déjà fait des changes. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Allez changer vos corps par rapport à quoi? Voilà. Donc du coup, les choses vont commencer à se changer sur le plan spirituel. Ok? Très bien. Son papa regarde, il dit, la voix là, ça ne ressemble pas pour Esaü. Hein? On dirait Jacob. Viens te toucher. Oh, il s'était habillé avec la peau d'un animal, de l'animal qui venait de tuer. Ok. Il regarde, il dit, bon. Il a mangé, puis il a béni. Mais c'est parti de quelque part. Même si on pense qu'il a trompé son frère, qu'il a été béni, tout ça, mais c'est parti de quelque part. C'est son frère qui a vendu son droit de naissance. Voilà, pour rien, vous vendez vos fiançailles. Pour rien, vous vendez vos familles. Pour rien, vous vendez vos foyers.
pour rien. Vous vendez, vous monnayez vos choses, vous monnayez vos bénédictions. Pourquoi? Rien. Parce que sur l'effet de la colère, vous monnayez des choses. Et du coup, vous perdez tout la grâce de Dieu sur votre vie. Donc, Dieu, il a béni. Son frère est béni, il a dit, mais c'est fini, ton frère a tout pris. Donc, du coup, il a fui. Mais il est parti avec la bénédiction. Mais en réalité, il avait la bénédiction sur lui, mais il ne la vivait pas. Mais c'est vrai que son accompagné sur son oncle, qu'on appelle là-bas, arrivé là-bas, son oncle a voulu le tromper, et le trompait trompé. Ça veut dire qu'il y avait la grâce de Dieu sur lui, mais il sentait que son identité devait changer quelque part. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Prenez la parole de Dieu. Dans Genèse le chapitre 32. Genèse le chapitre 32. À partir du verset 34. Plutôt 24. Genèse le chapitre 32, le verset 24. En lui, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta, on dit, le présentant passant devant lui, on dit dans la nuit, resta cette nuit-là dans le camp. Bon, d'abord, on va lire le verset, le verset 21, et puis poursuivre. On dit, le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là, dans le camp. Il s'éleva la même nuit, il prit ses deux femmes, ses enfants, ils l'ont demandé de passer. Et le verset 24, on dit, comme Jacob demeura seul, alors il a laissé sa femme, il dit, allez-y. Parce que ce combat-là, quand vous restez, il est resté seul, on dit, alors Jacob resta seul. Cette nuit-là, Jacob est resté seul. On dit, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne peut plus le maîtriser, cet homme le frappa à la boiture de l'ange. Et la boiture de l'ange de Jacob démit pendant qu'il luttait avec lui. Le verset 26, il dit, laisse-moi aller car l'aurore arrive. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller quand tu m'es béni. Il dit, quel est ton nom? Il lui répondit, Jacob. Et le verset dit, et non, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Donc, regardez, et comme il avait un souci, après avoir séjourné chez son oncle qu'on appelle Laban, et tout ça, il a été béni. Maintenant, il partait, il retournait, parce que c'est sa terre natale. Il retournait sur sa terre natale, qui est vraiment le territoire de Canaan. Il retournait sur sa terre natale. Il était béni, il avait des femmes et tout ça, des troupeaux. Donc, il est parti. Il a laissé, il a dit, bon, allez-y, dévancez-moi. Parce que son frère cherchait à le tuer. C'est comme aujourd'hui, la sorcellerie cherche à te tuer. Les gens cherchent à te tuer parce qu'ils doivent, n'est-ce pas, ils doivent au sorcier. Ils doivent quelque chose au sorcier. Donc, toi-même, tu sais que quelque part, on veut te tuer. Tu sais que quelque part, on veut te nuire. Quelque part, ta soeur ou ton frère, dans sa manière de parler, il y a de la haine, de la méchanceté. Les gens autour de toi, dans ton service, frère, je te donne 21 jours. Ces 21 jours-là, ça te permettra de résoudre beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? À partir de minuit jusqu'à 4 heures, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Si tu sais que c'est ta soeur, attaque-la dans la prière. Déstabilise-la dans tes prières. Prie. Et tu comptes les jours. Pendant 21 jours, toutes les pièges, mon frère, ma mère en sorcellerie, mon frère, et tout ce qu'ils sont en train de faire, je les terrasse. Qu'ils tombent. Que leur pouvoir tombe. Tu vas voir. Après les 21 jours, si un. Tu peux même dire, s'il y avait un sorcier autour de moi, Dieu, montre-le-moi.
Mais il faut que la sorcellerie autour de moi tombe. Il faut que la sorcellerie autour de moi tombe de minuit à 4 heures. Et à partir de 4 heures, tu as dit l'aurore. Tu dis à partir de 4 heures, cette période-là, ce qu'on appelle la nuit du combat, pendant 21 jours, à partir de 4 heures, tu dis à Dieu de changer ton identité. Dieu, mon Dieu, change mon identité spirituelle. Change-le. Quand il est l'aurore neuve, tu commences à parler. Dieu change mon identité. Et cette période-là, tu n'as pas besoin de faire cette étape de la prière. Tu rentres dans ce qu'on appelle la prière du combat contre les œuvres de la sorcellerie. Et si vous avez le livre de prière, vous avez l'homme fort, vous prenez ce sujet-là pour prier, pour renverser le pouvoir de la sorcellerie toute la nuit. Vous allez voir, après 21 jours, tout va rentrer en ordre. Tout rentrera en ordre. Vous allez voir que le sorcier du village, avant que tu n'atteignes les 21 jours, ne va pas tomber. Ta soeur va commencer à confesser. Ton frère va commencer à confesser. Ton patron qui est embouté va commencer à confesser. Ton voisin va commencer à confesser. Parce que dans la nuit, tu l'attaques. La nuit, tu l'attaques. Tu déstabilises leur pouvoir. Tu attaques la sorcellerie. Vous avez vu, quand il a fini de prier, au moment où il partait, Jacob, Esaïe attendait Jacob. À sa grande surprise, il voit Israël. Amen. Il attendait Jacob. Mais du coup, son nom a été changé en Israël. Donc du coup, ce qu'il voulait le faire, il n'a pas pu le faire. Il faut que ton identité... Les gens, ils attendent. Ils voient en toi Jacob. Ils voient le vaurien. Ils voient l'homme qu'ils ont écrasé. Ils voient que l'homme qu'ils ont piétiné. Mes frères, ta prière changera le cours de ton histoire. Ta prière changera le cours de ton histoire. Ta prière fera que, au lieu que ce soit Israël, Jacob qu'ils attendent, ils verront désormais Israël. Celui-là qui a été positionné par Dieu. Celui-là qui est prince de Dieu. Celui-là qui est l'homme béni de Dieu. Mes frères, il faut que tu rentres dans un moment de prière. Ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas dans la faiblesse. Que l'identité change, révèle-toi, sinon ça va t'écraser. Révèle-toi, sinon tu perdras ce combat. Tu le perdras ce combat. Si tu veux remporter cette victoire, si tu veux que ton mari te revienne, tu veux que ta femme te revienne, tu veux que ce foyer te revienne, tu veux que ton emploi te revienne, tu veux que les choses te reviennent, que les choses soient en train de t'échapper, tu n'as pas envie de perdre, lève-toi dans la prière, lève-toi. Fais les 21 jours de prière, de combat. Commence à parler à l'adversité. Commence à parler. Oui, je ne vais pas perdre là mon mari. Je ne perdrai pas mon foyer. Je ne perdrai pas, n'est-ce pas, cet emploi. Non, je rentre dans un moment de prière. Oui, la sorcellerie. Je combats toi, ma soeur, qui s'est liguée contre moi. Je te vois dans mes rêves. Je combats tes œufs. Tu terrasses, tu dois fléchir les genoux. Mon père doit fléchir les genoux. Ma mère fléchit les genoux. Mon fils, oui, tous ceux qui sont en train de tout. Fléchissent les genoux, qu'ils confessent pendant la nuit. Vous parlez, si tu connais son nom, tu l'attaques dans ta prière. Tu l'attaques dans ta prière. Tu prends, je détruis le pouvoir de limitation autour de moi. Je détruis après les 21 jours. Avant les 21 jours, tu vas attendre que le village il est tombé. Tu vas attendre qu'il est parti. Tu vas attendre qu'il est devenu un mortanien. Tu vas attendre que quelque part, quelque chose s'est passé. Tu vas attendre que quelque chose s'est passé. Tu attendras que quelque chose s'est passé. Oui, tu vas attendre ça, frère. Mais Jacob, son nom n'est pas devenu Israël comme ça. Son nom est devenu Israël lorsqu'il a prié. Frère, toi tu veux que les choses changent en pleurant? Non, je suis désolé. Toi tu veux que les choses changent parce que tu as raison. Tu as raison comment? Les victoires se remportent dans la prière. Tu as faibli. Tu te dis non. Donc tu veux laisser faire. Non, on ne laisse pas faire. On ne laisse pas faire. Les bénédictions, ça se mérite. C'est dans un combat qu'on rentre en possession de notre Dieu. On a toujours... Non, la vie appartient aux hommes forts. La vie appartient aux hommes qui combattent. Qui combattent. Donc, réveille-toi. Combat le bon combat. La Bible dit que vous avez combattu le bon combat. Tu es une guerrière. Tu es un guerrier. Ne laisse pas faire. Ne laisse pas le diable miner ton territoire. Oh, Rachakabababababa. Je prophétise si quelqu'un maintenant... Pendant que tu m'écoutes, la parole de Dieu me déclare, tu rentreras en possession. Oui, la possession de ton mariage. La semaine prochaine, précisément, n'est-ce pas, le jeudi prochain, le Seigneur te fera la grâce de rencontrer l'homme de ta vie. Pendant que tu m'écoutes, reçois cette grâce de Dieu sur ta vie. Reçois cette grâce de Dieu. Pendant que tu m'écoutes maintenant, le mal dont tu souffres, le Seigneur est en train de faire disparaître ce mal.
le mal en train de disparaître, une sœur, un cancer. Le Seigneur me dit, pendant que tu es en train de m'écouter, au niveau de ton ventre, quelque chose en train de bouger, le cancer en train de disparaître. Maintenant même, dans le nom de Jésus, pendant que tu m'écoutes, le cancer disparaît. Ton mari te fatigue, il est en train de te fatiguer. La Bible dit, et la main de Dieu, pendant que je prie, je parle, la main de Dieu vient apaiser ton foyer. La main de Dieu vient restaurer ton foyer. La main de Dieu vient te restaurer. Tu es déboussolé dans ta tête. Tu ne sais même plus où mettre la tête. Tu ne penses qu'au suicide. Mais écoute-moi, Jésus-Christ vient te consoler maintenant. Jésus-Christ vient te consoler. Il te donne la victoire dans ce combat que tu es en train de vivre. Il te dit, je suis avec toi. Je suis avec toi, ma fille. Je suis avec toi, mon fils. Je suis avec toi, mon fils. Je suis avec toi, ma fille. Oui, reçois la paix de Dieu. Dans ton âme, reçois la paix de Dieu. Frère, recevez la grâce de Dieu. Soyez bénis. Lève-toi dans la prière. Ne laisse pas le diable prendre le dessus. Ne laisse pas. C'est nous qui donnons raison au diable. C'est toi qui donneras raison. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Laisse pas le diable te gagner. Lève-toi. Jacob s'est levé dans la prière. Bien qu'il ait la bénédiction de son père, la maison prophétique, mais pour que son identité change, il a prié. Pour que son identité change, pour que Jacob devienne Israël, il a combattu. C'est quand tu rentreras dans un moment de combat, pendant les 21 jours, les choses vont changer. Tu as dit, mais j'ai déjà prié, j'ai déjà fait action prophétique. Non, on ne cesse jamais. Tant qu'il y aura l'adversité, continue. Il faut que les choses tombent. Il faut que les murs tombent. Il faut que les murs tombent. Il faut que les murs tombent. Recevez chez vous la main de Dieu. Je prie que Dieu te fasse comprendre l'importance de la prière. Je prie ce soir que Dieu mette dans ton âme que tu as besoin de prier. Je prie ce soir que Dieu te donne à cœur d'être une femme, un homme de prière. Recevez la grâce de Dieu. Oh, Rabba Shaka Baba. Oh, Rashaï, on the place to buy the keys. La main de Dieu vous fortifie. Recevez une onction particulière chez vous, là où vous êtes maintenant. Que tous ceux qui vous accusaient maintenant, à tort, à travers, recevez chez vous l'avocat qu'on appelle Jésus-Christ qui vous rend justice au nom de Jésus. Jésus te restitue tout ce que le diable t'a volé. Il te restitue ce que le diable t'a volé. Il te restitue maintenant. Oui, il te restitue. Il est sur tes larmes. Tu as tellement pleuré. Tu as pleuré. Tu as dit au Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je compte sur toi. Oui, Dieu a écouté ta prière. Il te donne du travail maintenant. Il te donne du travail maintenant. Il t'accorde la promotion. Il t'accorde l'enfant dont tu attendais si tant. Il t'accorde maintenant l'enfant que tu attendais si tant. Reçois. Reçois. Et aussi, sois une femme de prière. Shalom à vous. Que Dieu bénisse. Shalom. Que Dieu bénisse. Nous allons nous revoir, n'est-ce pas, vendredi. Voilà, vendredi, nous allons poursuivre à partir de 22h. Vendredi, peu importe, même si à la Coupe du Monde, notre Coupe du Monde, c'est ce que nous allons regarder parce qu'on a besoin d'être édifiés. Nous ne sommes pas des hommes chanettes. Vendredi à 22h. Shalom à vous, que Dieu bénisse.